Bon bah voilà, on est parti pour faire le barrage de Lavaux. Comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, on en a à peu près pour 28 minutes de route. Et puis comme l'autre vidéo, je vous tiens au courant et je vous fais tout ça avec des petits plans sympas. Voilà, j'espère qu'elle sera meilleure que l'autre, parce que l'autre, c'est vrai qu'elle n'a pas été super cadrée. Et voilà. Et pour vous faire un petit retour de la randonnée, ça a aidé quoi. Voilà, hein. Donc on en fait plein. On fait plein de randonnées, on fait plein de trekking, on monte des vidéos rapidos. Et puis voilà. Heureuse? Très heureuse. Voilà. Je suis concentrée sur la route. Voilà, donc c'est normal. Elle est concentrée sur la route. Donc je vous tiens au courant. À 12h. C'est bon, t'es prête? C'est bon. Allez, go, c'est parti. Bon, bah voilà les gens, on vient de démarrer de la voiture. Comme vous avez pu le voir, il fait pas beau temps, comme vous pouvez voir. Limite, il grimace, enfin, je sais pas. On verra, autrement, je continuerai à filmer avec le téléphone portable. Et puis voilà. Donc, on va faire ce petit tour de 8 km. Et puis voilà. Donc là, c'est, je vais vous montrer ça. Il y a, c'est sympa. Regardez, on est dans la pampa. Ça change que la dernière vidéo où on était dans la forêt. Et ben là, on n'est pas dans la forêt. Donc voilà. Allez, on vous filme tout ça. Comme d'habitude, faut rester souriant. Bon, encore des petits chemins de fer, encore des petits chemins de terre, mais je pense que on verra si ça change par rapport à l'autre vidéo. J'ai mis un peu ma casquette parce qu'il y a un petit peu de pluie, en cas où on a des capuches, on a ce qu'il faut. Puis voilà, et on continue à avancer. Ça va? Ça va. Ouais. Ok. Bon bah si ça va, moi aussi ça va. Allez, c'est parti.
Bon les gens, j'ai enlevé la casquette et puis les lunettes parce qu'il pleut un peu. Je pense que dans pas longtemps je vais pouvoir passer avec le téléphone. Puisque là avec le Sony ZV1, je pense pas qu'il supportera longtemps la pluie. Et puis voilà. Donc là il y a une ferme. Et là on est sur une grande route. Même en face de nous. Hop. Voilà. Et puis là il y a Estelle. Qui garde le sourire aussi et le moral malgré que la tachycardie ne l'aide pas. Du coup voilà. Et là j'ai l'impression qu'on n'a jamais fait de randonnée. Je transpire comme un bœuf. Un truc de ouf. Bref, on continue. Et puis voilà. Il y a des belles petites maisons. Un beau petit village, sympa comme tout. Avec des beaux petits terrains. Ça donne envie, ça donne envie. On continue notre route. Bon les gens, comme vous pouvez le voir, on commence à être mouillé là. Et c'est pas très agréable. On n'a vraiment pas prévu cette journée. Hein. On pensait vraiment pas qu'il allait pleuvoir. Enfin, c'était marqué sur la météo, mais bon, il mouille pas non plus à des flots. Mais bon, la route est mouillée quoi. Donc voilà. Cette fois, on n'a pas oublié parce qu'on ne vous l'a pas dit. L'autre fois, on n'avait pas rempli ça. La poche d'eau de 2 litres. Alors, l'autre fois, on avait que notre gourde de 75 centilitres. Alors, pour faire 13 km avec 75 centilitres, ça a été un peu complexe. Mais bon, après, on avait ce qu'il faut hein, si on voulait de l'eau. Mais ça va, on a réussi à tenir le coup. Hein. Ouais. Donc, ça va. Donc, voilà. Donc, là, on passe dans un village, tranquillement. On connaissait pas. Enfin, voilà. Puis, à un moment, on va arriver au barrage. On sait pas à quoi ça ressemble. C'est la surprise du jour. Donc voilà, et je suis obligé d'un peu de cacher un peu l'appareil photo parce que moi je sais pas si le Sony ZV1 est fait pour supporter un peu la pluie. Mais en tout cas, je préfère le mettre à l'abri. Voilà. Allez, à toutes. Gardez le sourire. Toujours en randonnée. On arrive à un petit endroit sympa. C'est pour ça que j'allume la caméra et je vais vous montrer tout ça. Regardez. Hop. Et là on arrive à un petit cours d'eau. Enfin un ruisseau, j'en sais rien, moi je suis pas spécialisé ça. Et là il y a le petit pont par ça c'est dessus. Donc voilà. C'est sympa. Hop. On va le passer ensemble. Comme la dernière vidéo. Allez. Allez, je vous fais quelques plans. Voilà. On vient de... Hop, on tourne la caméra. On vient de faire... On vient d'arriver à la moitié. Voilà, tout simplement. Donc là, maintenant, plus que la moitié à faire. Et après ça sera déjà fini, bah oui, hein, 8 km c'est rapide. Donc voilà. Bon bah allez, go on continue.
Bon, on a été obligé de mettre les protèges sacs parce qu'on se fait arroser de tous les sens. Donc voilà, on a les protèges. On va passer derrière Estelle. Voilà, on a tout mis à l'abri. Comme ça, il n'y a plus de risque. Voilà. Eh ben, dis donc. Hop là. C'est galère avec cette pluie. Hein. On se prend des inverses. Tu veux quoi, mon chat? J'aurais dit qu'on aurait eu un temps comme ça. Ah, ça. Mais là, on se prend des inverses, ça se tombe. Laissez tomber, quoi. C'est incroyable. On a heureusement qu'on est un peu équipé pour. Mais. J'aurais. Enfin, c'était pas annoncé, ça. C'était annoncé un peu. Enfin, pas de la pluie. Mais là, vraiment, il pleut, quoi. Enfin, il pleut. On était obligé, on voyait que les sacs commençaient à être mouillés. Malgré qu'on a des poches. Comment dire, imperméable à l'intérieur, mais bon, quand même, faut mieux être prudent parce qu'il y a du matériel. Allez, on continue. Les gens, on arrive dans un petit village et il nous reste même pas, enfin il nous reste 1 km à peu près. On a bientôt fini. Voilà, nous sommes dans le village. Faut personne nous voir. Les gens, je suis en train de marcher, on est en train de marcher. Il y a Estelle derrière. Et on vient de découvrir un truc. Ça me fait toujours. Ça me fait toujours bizarre de voir ça. Je vous fais découvrir ça. Du coup les gens, on est bientôt rendu. Alors je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais regardez, je vous montre. Là-bas, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, j'ai pas un gros zoom. Là-bas, ici, alors attendez, je vais essayer de, hop, là, ici un camping-car. Ah, on le voit mal, mais c'est là où on est. Donc on est bientôt rendu. Voilà, et on continue à avancer tranquillement. Tranquillou, alors là j'ai le zoom à fond, mais on continue à avancer tranquillement. Allez, go!
Ça y est les gens, on est rendu, Estelle a un peu mal aux épaules, moi aussi. On est rendu, on voit la voiture de loin. Donc on va vous faire découvrir tout ça. Et surtout on va vous faire découvrir là, le barrage. Or c'est pas un barrage comme on peut l'imaginer, hein, parce que même nous on s'imaginait autre chose. Mais c'est sur la fin, donc voilà. Regardez. Bon bah voilà les gens, on est sur une fin de vidéo, la voiture est juste là. Donc on s'arrête là pour cette vidéo. Et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, ici Instagram, Facebook, Twitter. Et puis, également de vous abonner à notre chaîne YouTube. Qui sera maintenant, là, ici. Et puis voilà, et puis j'espère que vous aurez fait une bonne randonnée avec nous. Et puis on vous dit à bientôt. À bientôt.